Eh ben, je devais faire des tableaux avec les enfants de maternelle à la manière de Kandinsky. Et on devait les faire en vitraux. Et ils devaient être exposés dans la rue afin de diffuser toute la lumière que Kandinsky nous a apportée durant toutes ces petites sessions. Il y a fort longtemps, très très longtemps, avant même qu'il n'y ait toute chose dans l'univers, il y avait un petit nid dans lequel toutes les formes jouaient, s'amusaient, vivaient ensemble. Elles vivaient en harmonie malgré et avec leurs différences. Des rondes, des petites, des grandes, des carrés, des triangulaires, des pointus qui piquent, des traits bizarroïdes, des cavés, des formes d'oiseaux, des cavés, des formes d'herbes, tout pouvait s'y trouver. Elles s'entendaient bien, certes, mais quelquefois, ça leur arrivait de se disputer. Dans ces cas-là, elles partaient au bord de la mer, prenaient un temps, même des fois un long temps, et discutaient jusqu'à trouver une solution, quelque chose qui allait bien à tout le monde. Mais, un jour, alors qu'elles dansaient, jouaient, s'amusaient encore, comme à leur habitude, qu'elles grimpaient les montagnes, traversaient les mers, traversaient les rivières. Les petits ronds lancèrent une grosse dispute et ce fut la grande colère. Patatras, bim bam boum, les petits ronds, ils n'arrivaient plus du tout à se mettre d'accord avec le reste des formes. Ils prirent le pouvoir et crièrent « Oust, du balai !» Toutes les autres petites formes, les grandes, les petites, les moyennes, les grosses, les pointus, les qui piquent, les pas pointus, les carrés rectangulaires, les bizarroïdes, toutes les petites formes, certes, étaient obligées de partir. Eh oui, on était vachement mieux entre nous, disaient les petits ronds. Alors ils ont commencé à faire des jeux de petits ronds. Des jeux de ballon, des jeux de qui roule, des jeux de bim boum boum, de trampoline. Bref, tous les jeux qu'on pouvait faire en petits ronds. Mais ça allait un temps. Parce que le temps d'après, c'était plus très amusant. Ben ouais, tout le monde tout le temps ensemble qui se ressemblait, ben, qui jouait tout le temps aux mêmes choses, ben, c'est plus très rigolo. Alors ils s'ennuyèrent, et ils étaient chacun chez eux. Et puis ils se regardaient, puis ils se disaient quand même, avant, quand il y avait tout le monde qui était certes différent, et que des fois c'était pas facile, mais ça faisait de la créativité, ça faisait de l'énergie, ça faisait de la vie, ça faisait plein d'idées pour jouer. Tout le temps s'amuser à plein de jeux différents, avoir des idées pour égayer tout le quotidien. Alors, les petits ronds, ils ont décidé de partir à la recherche des autres petites formes pour recréer ensemble un monde où ils pouvaient vivre en harmonie.